1, la situation n'a jamais été aussi grave. Macron nous emmène dans la guerre. Dans la guerre. Macron nous emmène dans les privations cet hiver. Les Français ne réalisent absolument pas vers quoi on part. Et c'est normal, puisqu'il y a de la propagande tous les jours à la télévision disant que tout va bien. Donc, premier point, le contexte va changer. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de sujets importants pour notre indépendance. Alors, ce matin, un attentat à la voiture piégée sur le pont qui relie les territoires russes à la Crimée. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce pont reliant la Crimée au territoire russe a été gravement endommagé samedi matin après l'explosion d'un véhicule, selon Moscou. Conséquence, deux voies routières se sont effondrées partiellement et sept citernes ferroviaires qui allaient vers la Crimée ont été incendiées. Le trafic a dû être arrêté. Ce pont est essentiel au transport des personnes, des marchandises, mais aussi des troupes déployées par Moscou en Ukraine. La Crimée a été annexée en 2014 par la Russie. Moscou a toujours affirmé que l'infrastructure ne risquait rien en dépit des combats. L'arche du pont n'a pas été touchée selon le comité saisi pour enquêter. Alors, des télévisions ukrainiennes diffusent ces images qui apparemment sont fausses. C'est de la propagande. Ce sont les images de soldats russes qui se rendent, regardez. Là, c'est étonnant. La première chose qui me frappe, c'est ça. C'est le cadrage qui est parfait, regardez. Il y a un panoramique qui tourne autour. Tout est très propre. Regardez, ça, c'est magnifique. On est dans un film d'action, là. L'autre chose qui me frappe, c'est l'équipement. Tout le monde est cagoulé. Ah bah, je peux vous dire, en terrain ouvert comme ça, mettez une cagoule, allez vous balader avec 20 kilos d'équipement, très rapidement, vous enlevez votre cagoule pour respirer, en fait. C'est le véhicule de transport russe, ou un obusier, je ne suis pas expert dans ces véhicules-là, donc je ne vais pas me prononcer, mais c'est intéressant, il s'arrête au milieu du champ. Il est arrêté par des fantassins au milieu du champ. Il n'y a pas de dispositif d'arrêt, il n'y a rien. Est-ce qu'il a été appelé? Il arrive pile poil à l'endroit où il y a ces hommes qui se déploient magnifiquement autour avec le cadreur. Bon, pour analyser... Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Moi, je suis là pour analyser et je veux juste soulever ces éléments-là. Le fait que, voilà, avoir des belles images comme ça avec tout le monde parfaitement équipé, tout le monde a tout ce qu'il faut, alors qu'on sait très bien que de part et d'autre, hein, les Russes comme les Ukrainiens, il y a parfois des défauts de matériel. Là, je constate que tout le monde a son chargeur à poste, tout le monde a des kalachnikovs avec des équipements qui se ressemblent tous, il y a une forme d'uniformité. Le recul de l'armée russe veut-il dire que ils sont en train de perdre pied, vraiment? Les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil. L'armée russe n'a pour l'instant pas annoncé ni retrait, ni commenté ce recul visible sur les cartes. D'autant qu'a priori ça émane de l'armée russe. Maintenant, l'histoire militaire russe nous incite à la plus grande prudence quant au mouvement de retrait. Hein, on pourrait rappeler ce qui s'était passé avec Napoléon Bonaparte, puis après avec Hitler. La stratégie militaire russe est parfois bien insondable, et je pense que nous serions bien avisés d'avoir beaucoup de prudence sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la ligne de front n'est pas stabilisée à l'heure où nous nous parlons, et que, eh bien, cette ligne évolue, qu'elle fluctue. Vraiment deux mots. D'abord, le peuple russe est excellent lorsqu'il est vrai, lorsqu'il défend son territoire. On en est loin de là. Et puis, je crois que si vraiment nous devons, j'appelle tout le monde, y compris celui qui vous parle et qui joue certainement pas les stratèges en chambre, à la plus grande des humilités et des prudences. Rappelez-vous simplement, reculons de quelques semaines. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas donné un rouble. On n'aurait pas parié un rouble sur l'Ukraine. Les blindés étaient en route vers Kiev et on donnait pas cher de la peau de Zelensky. Donc c'est une matière sur laquelle il faut plus qu'une autre être particulièrement humble. Ce qui est certain, c'est que Kherson est tombé pratiquement sans combat. Au début de la guerre, le 24 février, les Ukrainiens n'avaient pas prévu une offensive à partir de la Crimée. Donc ils avaient consolidé des défenses en face du Donbass. Et d'ailleurs, ça a été reproché à Zelensky et à l'état-major. Kherson est tombé sans combat. Et en fait, tout le sud de l'Ukraine est tombé sans combat. Le combat principal, ça a été à Mariupol, et on s'en souvient. Donc aujourd'hui, Kherson, c'est important pour les Russes, parce que Kherson, ça contrôle l'accès à l'eau douce, le canal d'eau douce qui arrive du nord et qui alimente la Crimée en eau douce. Donc aussi bien Kherson pour l'eau douce que Zaporijja et sa centrale nucléaire pour l'énergie sont des enjeux stratégiques dans la logique d'annexer toute cette partie. Et en tout cas, et de donner à la Crimée, qui reste prioritaire pour Poutine, une capacité d'existence durable sans dépendre de l'Ukraine. En réalité, c'est pas une armée russe qui est engagée en Ukraine, c'est une somme de petites armées russes
très indépendantes les unes des autres, sans véritable unité de commandement et sans cohérence globale. Et c'est une des raisons pour laquelle le fait que les Ukrainiens attaquent sur deux fronts, au nord et au sud, rend très difficile la réaction des Russes. Et effectivement, on est très surpris. Je pense que tous les spécialistes militaires sont très surpris de la façon dont l'armée russe est en train de reculer face à l'armée ukrainienne. Les prochains jours nous diront si ce recul de l'armée russe est en train de se confirmer. Mais pour l'instant, je pense que c'est la... Il faut être très prudent sur l'issue des combats actuellement. Est-ce que les sanctions font mal à l'économie russe? On a entendu hier Elisabeth Borne dire que l'économie russe était à l'asphyxie. Réponse de l'ambassadeur russe. Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple, nous avons de très bonnes récoltes des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 millions de tonnes des céréales aux pays qui, aujourd'hui, sont au bord de la famine. La réalité quand même, si j'en crois les chiffres, c'est que sans doute jamais la Russie n'a dégagé un solde positif commercial comme en ce moment, puisque évidemment s'ils ne vendent plus leur gaz en Europe, ils le vendent ailleurs, ils le vendent parfois ailleurs qui nous est... Nous, ensuite, revendu. Et la première ministre avait dit, le PIB a été impacté de 6%. Elle donnait des chiffres très importants, Paul Mellin, enfin, très précis en tout cas. Oui, après, ce qui est vrai, c'est que le recul du PIB russe est moindre que ce que l'on annonçait. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois, M. Le Maire, notre ministre de l'économie, annonçait une guerre économique et s'en allait. L'économie russe à genoux. Absolument. Et nous parlait, effectivement, dans une prophétie un peu incroyable, de l'économie russe à genoux. Pour le moment, on n'en est pas là. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, Eric, sur la question des ressources naturelles, c'est un avantage comparatif, si on parlait qu'un langage économique, de la part des Russes, très important. Hein. Effectivement, ça a été beaucoup dit sur le modèle économique russe, les ressources naturelles, la récolte agricole, etc., sont des points centraux, extrêmement importants de l'économie russe. Maintenant, sur les exportations, effectivement, la balance commerciale russe va bénéficier, de fait, des sanctions avec des développements de nouveaux partenariats stratégiques avec un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas mis la Russie sous la pression diplomatique des sanctions. Donc, si vous voulez, moi, j'ai peur d'un système de vase communicant qui, finalement, n'aura pas l'impact escompté sur l'économie russe qui, même si elle a un recul, la plupart des économies européennes aussi vont pâtir de ces sanctions et avoir des reculs de la même. Si Elisabeth Borne dit l'économie russe est à l'asphyxie, elle ne dit pas la vérité? Ah non, c'est pas la vérité. Je souscris à ce que vient de dire Paul Mellin. Le premier élément, c'est que la Russie, en fait, et Vladimir Poutine a tout fait pour se préparer à la situation d'aujourd'hui, et il fait ça depuis qu'il arrive au pouvoir, c'est-à-dire il y a des dizaines d'années. Et donc, il a très bien anticipé le fait que la crise porterait sur l'énergie, c'est la grande force de la Russie, et sur l'agriculture, c'est ce qui est la force du modèle russe. Et vraiment, le régime tient aujourd'hui grâce à ça, et donc il peut réussir à parvenir à survivre. Moi, je me garderais bien de donner des leçons. Nous, on va peut-être entrer en récession en janvier prochain. On verra à la fin, quand on comptera les bouses, qui a gagné et qui a perdu. Oui, il y a un vrai risque pour l'économie européenne au sens large. Il y a un problème d'inflation absolument gigantesque. On parle évidemment beaucoup des pays membres de l'Union économique et monétaire qui ont l'euro en commun, mais vous avez à côté de nous un pays qui en est sorti, qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui est dans une situation économique apocalyptique, avec des taux d'inflation records, avec des problèmes financiers gigantesques. Nous, le principal problème qu'on a quand même devant nous, Laurence Ferrari, c'est le problème de la dette publique. Parce que je vous rappelle que tant que la BCE émet du papier pour acheter des dettes souveraines européennes, ça se passe à peu près bien, sauf que l'une des raisons pour lesquelles on connaît un énorme taux d'inflation, c'est l'envolée des prix d'énergie, mais c'est aussi le fait qu'on a une masse monétaire en circulation qui soit très supérieure à la production. Ne serait-il pas le moment d'engager des négociations? Or, je vous dis, ce qui se passe en Ukraine est gravissime, c'est que la France va en guerre au moment où la Russie est affaiblie et on pourrait faire la paix. L'Occident, entre nous, les États-Unis et Madame von der Leyen, veulent détruire la Russie. Or, je pense que c'est une très grave erreur. Et je pense que c'est le moment où la Russie est affaiblie qu'on doit tendre la main pour dire maintenant stop, on applique les accords de Minsk, on calme Zelensky qui est de plus en plus fou, et on
peut-être sauve la mise à Poutine, Poutine s'en va, il y aura un autre qui sera peut-être beaucoup plus grave. Probablement, mais je vais vous dire, ça dépend pas de vous, ça. Quand bah non, bien vous, sûr vous Français, non. Ça dépend de Biden. Tout à fait. Et n'oubliez pas qui nous avons intérêts, à la Maison Blanche. Qui a des intérêts en Ukraine. Et donc, ça va dépendre des élections américaines. Mais pour parce que s'il y avait eu Trump, on n'en serait pas là. Je ne suis pas pour Trump, mais on avait eu Trump, on n'en serait pas dans cette surenchère de guerre. En novembre, il va y avoir les élections du midterm américain. Il va y avoir ce que ça va de graves incidents avant novembre. C'est clair. Ce qui est terrible aujourd'hui, je le dis aux Français qui nous écoutent, c'est que le gouvernement, par son attitude va-t-en-guerre, certes affaiblit la Russie, mais nous affaiblit nous-mêmes. Nous avons des dizaines de milliers d'entreprises françaises qui vont fermer boutiques avec des centaines de milliers de chômeurs dans les semaines qui viennent, parce que en voulant punir la Russie, on se punit nous-mêmes. Les deux balles dans le ventre. Pour un conflit territorial qu'on aurait pu régler à l'amiable. Puisque l'Ukraine ne peut actuellement accéder à l'OTAN, ni à l'Europe d'ailleurs, une réunion des pays européens s'est tenue hier à l'initiative d'Emmanuel Macron. Paul, est-ce que c'est un nouveau machin, comme le disent déjà certains ? Eh bien, Marion, il faut d'abord rappeler que l'idée de ce machin, comme vous dites, revient à Emmanuel Macron. C'est lui qui avait lancé cette idée le 9 mai dernier, le jour de la fête de l'Europe devant le Parlement européen. Emmanuel Macron avait expliqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait du temps, des années, voire des décennies. Et il avait donc proposé de créer cette CPE, une espèce de salle d'attente pour les pays qui frappent à la porte de l'Union européenne, une espèce de club de rencontre entre les 27 et des pays voisins qui partagent les mêmes valeurs. Donc, 44 pays se retrouvent pour le moment au château de Prague. Oui, ils seront tous rassemblés pour la première réunion de la communauté politique européenne. Cette photo est très importante, explique un conseiller du président. Une démonstration d'unité et un message clair adressé à la Russie de Vladimir Poutine. L'Europe fait bloc et bien au-delà du strict cadre des 27 membres de l'Union européenne. Malgré le Brexit, la première ministre britannique Liz Truss sera dans le cadre, tout comme le président turc Recep Tayyip Erdogan. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, pays membre également de cette CPE, interviendra à distance. C'était l'idée d'Emmanuel Macron quand il l'a proposé le 9 mai dernier à Strasbourg, rappelle un conseiller, à rassembler le continent. Mais au-delà de la photo et du symbole, le flou demeure sur ce qu'il ressortira concrètement de cette première réunion. Tant les divergences entre certains pays sont criantes, et alors que l'Azerbaïdjan est entré en conflit avec l'Arménie, bien qu'ils soient tous les deux membres de cette communauté. Mais là, j'appelle les Français à la résistance et à s'informer autrement. Mais je crois qu'à un moment, nos concitoyens voient les faits. Moi, je vois beaucoup de monde. Les gens viennent me voir dans la rue, je balade beaucoup en province, voire mais je vois quand même une évolution, une prise de conscience. Et je crois que la situation internationale est tellement grave, c'est ça, que en fait, j'aimerais le réel frappe à la porte. Le réel frappe à la porte. Sinon, il va l'enfoncer. Nous met devant notre conscience. Ouais. L'Europe a un nouveau mot d'ordre : économie d'énergie. Le gouvernement français a appelé ce jeudi à une mobilisation générale du pays pour réduire la consommation de 10% au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un plan ambitieux pour réduire la dépendance à l'étranger et éviter des coupures d'approvisionnement. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation d'urgence. Nous n'avons jamais été indépendants en matière d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes exposés aux énergies fossiles à près de 66% dans notre consommation d'énergie. 66%. Et l'enjeu, c'est de sortir de ces énergies fossiles pour avoir réellement cette énergie abondante, à bas prix, et qui ne fait plus de mal à notre planète. Monsieur Dupont-Aignan est l'invité d'André Bercoff sur Sud Radio. Emmanuel Macron a un électorat de droite. Droite libérale de l'argent et de la gauche libertaire. Donc il a synthétisé des gens de gauche et de droite favorables à un système mondialiste qui est en train de piller la France. Et pas seulement la France. Oui, mais ouais, bon. il obéit, en fait, vous avez raison. Il obéit à un système mondialiste et il est le petit télégraphiste. Il est le gérant de la succursale France d'un système mondialiste qui pille les classes moyennes, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez par cœur. Face à ça, je regrette que depuis des années, des personnalités qui ont des différences
pas seulement des égaux, qui ont des différences programmatiques. Je suis plus souverainiste qu'un Wauquiez ou un Ciotti. Je pense que la question de l'Union européenne est fondamentale et qu'il faut s'en libérer. Mais, malgré tout, il y a plus de proximité entre un Éric Ciotti pour rétablir la sécurité et moi qu'avec l'équipe de Macron, bien évidemment. Et je dis simplement à toutes ces personnalités, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se mettre autour de la table, se réunir, non pas pour gommer nos différences, mais pour un programme de salut public, qui permette de dire aux Français, voilà, Macron a uni les mondialistes de gauche et de droite, eh bien nous, nous unissons les amoureux de la France, d'une certaine idée de l'indépendance, de la République, de l'autorité, de la famille, de la libre entreprise, voilà, tout simplement, ouais. C'est pas sorcier. Et quand je le dis depuis longtemps, parce que reconnaissez qu'en 2017, j'étais le seul à briser le tabou du soutien à Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'en ai pris plein la gueule. Mais parce qu'elle était au second tour face à Macron. Et je voyais pas pourquoi je choisissais pas. J'ai choisi. Après, j'ai créé les Amoureux de la France en 2018. Ça a foiré, je vous le dis franchement. Après, j'ai demandé une primaire ouverte. Mais juste avant la présidentielle de 2022. J'ai dit, il faut une primaire des patriotes. Et puis, c'est pas les partis qui choisiront, c'est la base qui choisira le meilleur candidat. Ça a foiré. Et on a été trois candidats patriotes, Zemmour, moi et Le Pen. Et puis il y a eu Pécresse, et puis il y a eu etc. Bon. Donc, il y a un moment, le pays est en train de crever sous nos yeux. Et on va continuer pareil. Et à l'extérieur, Meloni, Berlusconi, Matteo Salvini, qui ont de vraies différences idéologiques. Bien sûr. Oui. Un passé, on peut pas dire Berlusconi soit la crème de la crème entre nous. Non, bon. Mais il y a un moment, ils ont su se dire, bon, bah, on a plein de différences, on s'aime peut-être pas, oui. Nos électeurs s'aiment peut-être pas entre eux, parce que les électeurs de Berlusconi n'aiment pas les électeurs de Fratella Italia, etc. Mais il y a plus que ça, il y a la défense de l'Italie. Oui, mais est-ce qu'on peut pas faire pareil? Parce que nos électeurs l'attendent, André Bercoff. Oui, ils n'en peuvent plus de nos égos et de aussi de nos différences programmatiques. Entendez-vous? Non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est expliquez-moi pourquoi ce que Mitterrand avait réussi il y a plus de 40 ans avec le programme commun. Est-ce que c'est possible? Puisque dès que quelque chose est tenté, chacun retrouve ses marques. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les égos, chacun veut être le chef. Il y a un autre problème, un blocage fondamental chez nous, qui est différent de l'Italie, de la Suède et d'ailleurs, c'est que les républicains non macronistes. Oui, pourquoi? Pourquoi, par exemple, un Wauquiez, un Ciotti, pourquoi Guillaume Pelletier, qui est un type très bien, a été obligé de partir? Parce qu'en fait, il y a une pression de la pensée unique, du système médiatique français, qui m'a accablé, souvenez-vous, comme j'étais insulté. Toute personne qui se dit, tiens, je vais faire alliance avec le Rassemblement National, qui n'a rien à voir avec celui de Jean-Marie Le Pen, c'est le diable. Les républicains vont aller au suicide, jusqu'au bout, pour ne pas comprendre qu'il faut une alliance. Ça ne veut pas dire abandonner notre identité. Moi, j'ai soutenu Marine Le Pen au second tour, j'ai toujours refusé, je lui ai dit à Marine Le Pen, je lui ai toujours refusé d'adhérer au RN. Je suis debout la France, on est différents, on a des nuances. Bien sûr. Moi, j'ai réussi à être candidat à la présidentielle, alors avec un score pas souhaitable, mais j'ai jamais critiqué Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse. J'ai évité de le faire. Faire ce qu'a fait Mélenchon. Un programme commun. Un programme commun. 10 mesures. C'est pas compliqué. Hein. On sait ce qu'il faut faire. Faut rétablir l'ordre. Faut bloquer l'immigration. Faut produire français. Il faut sauver l'hôpital. Il faut faire des économies sur les fausses cartes vitales. Moi, le programme de 10 points, je vous le rédige en un quart d'heure sur une table. Mais bien sûr, c'est pas le problème. C'est possible. Mais alors, il y a la question de la souveraineté. C'est vrai qu'il bloque aussi. Vous voulez dire Frexit ou pas Frexit? Voilà. Europe, Florian Philippot, je lui dis, il a raison sur l'analyse globale. Je partage son analyse. Mais les Français ne sont pas mûrs aujourd'hui. Donc ça sert à rien de leur faire peur sur le Frexit, alors que il suffirait déjà d'arriver au pouvoir pour, par exemple, rétablir le prix de l'électricité nationale, pour dire à Bruxelles, ça suffit, pour dire van der Leyen, tais-toi, sinon, il y en a qui le font, il y a Orban qui le fait. Ben oui. Pourquoi nous, on peut pas le faire? Donc, ce que j'aimerais, c'est que compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu de l'exaspération de nos électeurs, qui n'en peuvent plus de nos histoires, il y a une pression de la base. Je crois qu'on arrivera à cette union si la base fait pression et qu'elle nous oblige
Alors, nous unir pour éviter que Macron trouve un successeur, parce que c'est ça le danger. C'est que Macron dure 4 ans et demi et détruise la France, et que on ait un successeur qui soit Le Maire ou un Philippe. Oui. Alors là, c'est la mort du pays. Moi, je veux éviter ça, et j'aimerais même qu'il y ait une dissolution avant, qu'on ait une coalition, parce que si on avait fait la coalition... Il l'a proposé pour la réforme de retraite. Très bien. Si on l'avait pas... Les Français sont exaspérés par ce qu'on leur prépare, et quand ils vont avoir les coupures de gaz, d'électricité, et comprendre que tout ça, c'est parce que... Et la hausse des prix, et le pouvoir d'achat, etc. Et tout ça, c'est parce que l'opposition n'est pas capable de s'entendre au Parlement, par exemple, pour voter une motion de censure. Je pense que la pression va être forte sur les députés LR qui vont voter les projets de Macron. Bon. Et donc, je pense que dans les mois qui viennent, la situation peut évoluer. Troisième point, je crois que quand les Français vont vraiment être en colère forte, ils vont aller voir leurs députés, leurs leaders, et qu'ils vont peut-être dire, écoutez, maintenant, la plaisanterie a assez duré. J'ajoute de surcroît que s'il y a une dissolution, soit la droite et les patriotes sont capables de s'entendre, Emmanuel Macron reprend le pouvoir. Mais... encore plus. Donc, l'instant de vérité, il peut venir très vite. Peut-être qu'il viendra pas très vite. Moi, je suis pas Madame Soleil. J'ai pas une boule de cristal, André Bercoff. Je vois simplement venir des échéances tellement vitales pour ce que l'idée que je me fais de mon pays et de la souffrance de mes concitoyens que je me dis qu'il était mûr de faire cette déclaration et de les mettre devant leurs responsabilités. Je vais pas les lâcher. Parce que vous me connaissez, j'ai un défaut, c'est que je suis un peu têtu. Donc je vais pas les lâcher. J'ai prévu une belle lettre que je suis en train de leur écrire. Vous allez continuer à faire appel. Je vais pas les lâcher en disant oui. Parce que en plus ils le font en Italie à nos côtés. Mm-hmm. Ils le font en Suède. Ils le font chez Orban. Et donc si ça évolue dans plusieurs pays d'Europe, ça nous évacuera le débat sur la souveraineté européenne. Vous voyez, parce que Florian Philippot, que j'aime beaucoup, et d'autres pourront plus nous dire, il faut le grand soir. On peut rien le faire grand en soir, Europe, ça bouge même en Europe. Donc voilà. Effectivement. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut imaginer des compromis. Au sortir de la présidentielle, on avait fait une conférence de presse commune en disant on arrête les petites histoires, on présente un programme commun, Mélenchon le fait. On le fait, eh bien peut-être qu'on serait en position de force et qu'on aurait créé une dynamique, peut-être pas, peut-être oui. En tout cas, quand on est dans l'impasse, c'est vrai, face à un mur, mais et que notre pays crève et que les Français souffrent, oui. Mais il y a un moment, il faut secouer. Enfin, alors, j'ai l'impression, je sais pas vous, si vous l'avez, nos auditeurs, j'aimerais avoir leur avis. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être aujourd'hui en début de quinquennat, comme à une certaine époque en fin de quinquennat? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une fin de règne. Dupond-Moretti, colère qui sont mis en examen, des décisions totalement incohérentes, une oligarchie insupportable, du mensonge permanent. Ça, c'est ce qui arrive en général en fin de règne, en fin de quinquennat. Eh bien là, c'est au début. Est-ce que vous pensez vraiment, en tout cas moi j'ai du mal à supporter l'idée que ça puisse durer encore 4 ans et demi. Et je vois pas les Français supporter ça encore 4 ans et demi, sauf à considérer que nos concitoyens acceptent tout. Voilà, maintenant, on a eu un débat pathétique sur l'Ukraine à l'Assemblée lundi, la peur, comme pour le Covid, la peur de penser différemment a anesthésié la politique. Mais parce que le management par la peur, et vous le savez aussi bien que moi, Nicolas Dupont-Aignan, est une arme du pouvoir magnifique. Faites peur aux gens, Machiavel, et vous régnerez sur les armes. Mais là, c'est pas les Français qui ont peur. Ce sont des leaders politiques qui pensent exactement ce que je pense, mais qui ne l'osent pas le dire parce qu'ils se disent « si je dis ça, les médias de la pensée unique vont me décrédibiliser et on va dire que je suis pro-russe, que je suis ceci, cela ». Au Burkina Faso, le GIGN est dépêché. L'ambassade de France au Burkina Faso est-elle en danger? C'est une information Europe 1. Des gendarmes du GIGN ont été envoyés à Ouagadougou, la capitale. Oui, décision du gouvernement français après le putsch qui a conduit au pouvoir un jeune militaire de 36 ans, le capitaine Ibrahim Traoré. Un coup d'état qui a pris pour cible notamment l'ambassade de France. La sécurité des 4000 Français expatriés est désormais la priorité du Quai d'Orsay, qui envoie donc des renforts sur le terrain, William Molinier.
Oui, 6 militaires du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale. Ils sont partis hier matin en avion direction Ouagadougou. Ces agents appartiennent à la section sécurité-protection du groupe d'intervention. 50 gendarmes qui mènent tout au long de l'année des missions à l'étranger de sécurisation des représentations diplomatiques. Au Burkina Faso, ces gendarmes d'élite vont devoir protéger l'ambassadeur français dans un contexte où le sentiment anti-français est très présent dans la rue, parfois même instrumentalisé sur les réseaux sociaux par la Russie. Jusqu'à présent, le GIGN était déployé sur ce type de mission en Irak, en Libye et en Ukraine. D'ailleurs, un des tout derniers faits d'armes de l'unité, c'est la mission à Kiev fin février dernier, quand une douzaine de membres du GIGN a évacué les ambassades françaises, italiennes et japonaises vers l'ouest du pays, tout en traversant la ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Les informations de William Molinier. Pour tout comprendre sur le coup d'État au Burkina Faso, rendez-vous sur europe1.fr, dossier complet de la rédaction web. Alors, des migrants ont envahi l'hôtel de ville de Paris hier. Et Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français, s'insurge contre le manque de sécurité en France, le manque de policiers, le manque de douaniers. Il y a eu sous Sarkozy 15 000 suppressions de postes de policiers, on a à peine rattrapé le nombre de policiers disparus, et donc on a besoin de s'attaquer au trafic, on a besoin d'inspecteurs du fisc pour lutter contre le blanchiment d'argent. J'étais à Marseille samedi, j'en ai parlé, avant qu'il y ait encore ces 3 morts par balle, il y en a eu 25 depuis le début de l'année. La drogue n'est jamais autant rentrée dans notre pays, la cocaïne notamment, le crack qui vient de Guyane, et ça passe par les ports, par les avions en venant de Guyane. Il faut y mettre les moyens, beaucoup plus de moyens pour sécuriser notre pays, pour protéger nos enfants et s'attaquer donc aux têtes de réseau de tous ces trafics. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, partagez surtout, partagez. Allez, au revoir. À bientôt.